Inside Racing vous est présenté par Dunlop. Il est toujours en quête, toujours sur la piste, toujours à la recherche de nouveaux défis, de nouvelles aventures. Luc Alphand, un homme mu par la griserie de la vitesse. Ses premiers succès rapides, il les fait sur les pistes de ski. Vainqueur du classement général de la Coupe du Monde 1997 en descente, les images de ce triomphe parlent d'elles-mêmes. Et lui aussi, Luc Alphand. Je suis des montagnes, je suis programmé pour le froid, je suis né à 1500 mètres d'altitude avec une température de 0 degré. Donc dès qu'il y a de la neige, je suis heureux. Et pourtant, personne n'a changé de sport de vitesse aussi vite que lui. Un homme des montagnes et son escapade, un fiasco et une inspiration. Life is too short. Il remplace la pente par l'espace. Le désert, au début, ça m'a fait peur. Ça fait peur parce que c'est grand, c'est chaud, c'est minéral, c'est un peu austère. Mais bon, la montagne aussi, c'est austère. Mais bon, j'ai réussi à apprivoiser un tout petit peu le désert. Et maintenant, je me sens mieux, mais pas encore vraiment bien. Le désert vit et Luc devient à partir de 2005 un de ses fils les plus rapides. Le Français prend le départ pour Mitsubishi au Rallye Dakar. Et dès l'année suivante, c'est la victoire au classement général. Un as du ski sur le sable. Ce qui m'a beaucoup aidé du ski, c'est, je pense, la vision, la capacité d'analyse de la vitesse, éviter de confondre vitesse et précipitation. Ça, c'était le plus important. Et je crois aussi la gestion du risque. Et la gestion de soi-même, quoi. Après avoir fait beaucoup d'années en Coupe du Monde, c'est important de bien se connaître. À 45 ans, il connaît aussi très bien l'autre grand classique du sport auto, qui exige l'extrême et attire les superlatifs. Depuis 10 ans, le Luc Alphand Aventure Team prend le départ du Mans. Le principal, c'est que la piste soit rapide, toujours, rouler très vite. C'est dangereux, mais ça procure beaucoup de plaisir. On va toujours jusqu'aux limites et piloter au Mans, c'est ce qu'il y a de plus fort. Un immense plaisir. Mais en 2010, le Français doit se contenter du rôle de chef d'équipe au Mans. Lors d'un rallye moto, ce compétiteur né a plusieurs fractures à la colonne vertébrale à la suite d'une chute impressionnante. Bien sûr, c'est frustrant de ne pas pouvoir piloter. Mais après l'accident, je suis avant tout content d'être entier et de pouvoir marcher normalement. Je suis passé très près du fauteuil roulant et du handicap permanent. Bien sûr, je préférerais piloter, mais là, je découvre l'autre côté de ce sport. New side of racing. Briefing des pilotes, stratégie de course, pari sur les pneus, il maîtrise ses nouvelles fonctions avec brio. Son team pilote la Corvette jusque sur le podium du Mans. A-t-il pris goût au rôle de chef d'équipe? Peut-être. Mais peut-être que le chalet de son frère l'appelle aussi. Il est en tout cas le serveur de bière le plus rapide des Alpes françaises. Et maintenant, un petit secret pour vous. La meilleure bière du monde, elle est faite ici, dans notre maison, et c'est la bière Alphand. Dans ce cas, santé Luc Alphand. L'homme des montagnes en quête de nouvelles aventures est toujours là pour créer la surprise. Inside Racing vous a été présenté par Dunlop.